Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite mission Intrusion CTOS qui fait partie des missions secondaires, tout simplement, où on va chercher quelques collecteurs qui sont marqués sur la map qu'on débloque en fait avec d'autres missions. De mémoire, c'est en débloquant les tours CTOS. Ça nous ouvre cela. Donc en fait, on se plonge directement dans l'action et on se rend compte qu'en fait, il y a 4 points d'intrusion à pirater, en fait, tout simplement. Donc il faut trouver les bons emplacements de caméra pour choper ces petits piratages. Voilà, là on peut pirater. En voilà un. Ils sont pas tous évidents à trouver. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo, parce que je me suis dit que vous allez certainement galérer comme moi pour pas d'ailleurs. C'est sûrement plus intelligent que moi. Surtout les jeunes qui sont game à fond. Moi j'ai eu du mal à les débloquer. Donc elle peut certainement vous aider. Cette vidéo en tout cas à les trouver et à comprendre un petit peu l'intrusion CTOS, notamment les collecteurs. Ils sont marqués collecteurs sur la map alors que là ils les affichent intrusion CTOS. C'est une petite mission secondaire parmi tant d'autres. C'est plutôt sympa, parce qu'à la fin ça nous débloque une nouvelle mission. Ça n'arrête pas dans Watchdog. C'est bien déjà que on a sur 360 on a une heure de moins que les joueurs PS4. C'est plutôt sympa. Vous voyez, il faut aller de caméra en caméra, c'est pas toujours évident. Vraiment pas, c'est pour ça que je vous l'ai faite. Moi j'ai galéré, hein. Franchement je vous l'avoue, j'ai galéré avant de trouver tous ces points. Puis vous voyez qu'on est limité dans le temps. Au début on avait 3 minutes 30. J'ai cru voir ça. T'as entendu parler de votre débile qui se promène avec Irma? J'ai vu. Et donc il reste un point. Et vous voyez, je suis en train de galérer pour le trouver. Je l'ai fait en même temps que, bien sûr. Il n'y a pas de. Alors voici ma contribution au testament de Ray. Apparemment, vous m'avez trouvé intégré au système comme je l'avais trouvé lui. Sauf que j'étais sans doute pas aussi bien caché. Ça n'a pas d'importance. Ça fait longtemps que je suis plus là. Je vais vous passer le best-of de Ray et quelques-uns de mes plus grands succès. Peut-être qu'un jour, Bloom aura de gros problèmes à cause de ça. Mais en vérité, il y a de grandes chances que non. Allez, et nous rêver, Ray. Demandez à Bloom de construire un CTOS dans votre ville et comme inviter un putain de vampire à dîner en lui fournissant en plus la paille. Et donc voilà, on a activé et trouvé un petit fichier audio. C'était très court, c'était juste pour vous montrer. Je vous dis à bientôt pour un prochain gameplay.